Bonsoir à tous, bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Jean-Gilles, Albert, Dimitri, Wami, Valérie également est avec nous ce soir. Bonsoir Jay, bonsoir Kevin et Gabriel Ferry bien sûr, qu'on connaît bien sur ces chats. Voilà, j'espère que vous allez bien. Écoutez, donc tout va bien. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2022 et donc... Avant de commencer ce live qui va être consacré aujourd'hui donc à la musique classique et en particulier une petite partition classique débutant que j'ai préparée pour vous, bah permettez-moi tout d'abord de vous d'accueillir en tout cas les nouveaux qui nous rejoignent ce soir, leur dire que tous les lives sont stockés, tous les précédents en tout cas sont stockés sous l'onglet playlist bien sûr, et vous allez directement dans la playlist Music Classroom Live et vous verrez donc tous ces tutos. Il y en a plus de 70 qui sont consacrés chacun donc à un sujet bien précis, donc de la musique, de la technique ou de l'esthétique musicale ou du piano bien entendu puisque c'est notre sujet ce soir, et que leur dire également que dans la première partie du cours donc on va faire disons une petite analyse de cette partition très très simple, et puis dans une deuxième partie vous pourrez poser donc à votre tour toutes les questions concernant donc ce cours ou bien des questions générales bien sûr concernant la musique. Voilà, ben j'espère que vous allez bien. Bonsoir, je vois Théophile est avec nous également. Cendrillon, bonsoir. Guillaume nous dit bonsoir également. Oiseau Lyre. Croblanc, bonsoir. Bienvenue Martin également. Jay Beats, bonsoir. Bonsoir, bienvenue également. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous mettez bien à profit tous ces tutoriels que je mets en ligne chaque vendredi donc à 9h le matin. Et puis tous ces lives qui ont bien lieu donc le mardi 19h, heure de Paris, je le précise encore une fois pour ceux qui nous regardent d'assez loin et pour lesquels il y a un décalage horaire. Donc voilà, je suis très content de vous retrouver ce soir. Là, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est... Salut Jean-Marie, bien Jean-Yves également, bonsoir. Bonsoir Théophile. C'est donc ce soir consacré au piano classique, ça changera un petit peu. Et puis, alors j'ai préparé pour vous une partition qui va s'afficher tout à l'heure à l'écran, et puis on va voir dans un premier temps comment peut-être l'analyser et puis ensuite l'interpréter, hein. C'est très simple, donc c'est une partition piano débutant. Ce que je voulais dire, c'est que cette partition est issue donc d'un recueil, hein, que vous trouverez sur le shop.musicclassroom.com, un recueil donc qui consiste à de nombreuses petites pièces qui sont des réductions en fait pour piano facile, donc de grands thèmes, hein, des grands thèmes de la musique classique, symphonique, opéra, concerto ou encore donc musique religieuse. Voilà des thèmes que j'ai repris donc et que j'ai réduits pour piano facile. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous le trouverez donc sur le shop.musicclassroom.com. Ça s'appelle le piano classique facile avec un CD d'accompagnement bien sûr. Salut David, bienvenue, Lydia également, Cendrillon, on s'est déjà dit bonsoir, Mohamed Altouré, bonsoir, et Nouradn également, Bayou nous dit bonsoir ce soir. Ben, je suis très heureux de vous retrouver tous, vous devez être nombreux ce soir d'après ce que je peux voir. Et donc je vais afficher tout de suite cette petite partition, on va pouvoir donc la débuter. Voilà la partition, j'espère que vous la voyez. Est-ce que le piano fonctionne bien ? Alors le piano, il y a un problème de son au niveau du piano, le voici. Voilà, tout fonctionne bien, je l'espère, vous entendez le piano. Voilà donc la petite partition, c'est un extrait, hein, c'est uniquement le thème. Donc c'est issu en fait d'un concerto, donc premier concerto pour violoncelle et orchestre donc de Robert Schumann. Et donc c'est l'opus 129 je pense. Donc le premier mouvement, hein, premier mouvement qui est un thème de violoncelle ici que j'ai placé à la main droite du piano, bien sûr en clé de sol, vous le voyez, avec un petit accompagnement. Tout ça c'est donc une réduction du thème du concerto pour piano et orchestre. Voilà, on va essayer d'analyser tout d'abord. Alors, vous voyez, je vais d'abord essayer de vous le jouer, et puis vous verrez, ensuite on va voir une analyse assez succincte, assez facile, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont débutants, de ce petit thème. Donc ceci, ça fait comme ça. Thank you.
Voilà un thème donc qui est dans une certaine tonalité, vous le voyez avec une petite analyse d'abord de la tonalité. On a un bémol, vous le voyez à la clé ici, donc première mesure à chaque fois. On a un bémol à la clé de si bémol, si bémol. Ça implique souvent qu'on est en fa majeur. Mais on peut être aussi dans sa relative mineure, hein, c'est-à-dire fa majeur, vous descendez d'une tierce mineure et vous avez ré mineur. Voilà, ré mineur naturel ici. Toujours avec ce si bémol. Je rappelle simplement que les gammes relatives ont effectivement le même nombre d'altérations à la clé, hein, c'est-à-dire ici un bémol, donc fa majeur et ré mineur ont une seule, donc un seul bémol à la clé, vous le voyez ici, entre la clé et l'indication de mesure. D'ailleurs, cette mesure, on est à 4-4, hein, on est à 4-4, donc voilà, quelque chose de très simple, très très carré, avec un petit accompagnement à la main gauche qui oscille entre une basse et un accord à deux sons à chaque fois, comme ça. Etc, etc. Alors oui, donc fa majeur ou ré mineur? Eh bien ici, si je regarde le premier accord, fa, la, do, donc ça c'est l'accord de fa majeur, et si je regarde la fin, hein, regardez la dernière mesure en bas à droite, eh bien on a fa et la fa, voilà, la do fa, sous-entendu sans la quinte, le do. Hein. Donc ici, le choix est fait, on est en fa majeur pour ce thème. Au niveau des nuances, regardez, c'est d'abord piano, hein, donc on a une nuance tout en douceur ici, dolce, très, très doux, avec un tempo qui est lent, lentement, joué lentement, peut-être plus lentement que ce que je vous ai joué tout à l'heure, on le rejouera tout à l'heure, hein, bien sûr. Et puis vous voyez, c'est un thème à la main droite qui est extrêmement donc lié. Voilà, un thème tout legato dans le pianissimo, etc. Vous avez remarqué qu'à la deuxième ligne ici, la première mesure, on a un espèce de soufflet, hein, entre les deux mains, entre les deux portées. Ce soufflet qui va marquer un crescendo, puis un décrescendo, vous le voyez avec ces deux signes ici. Ça, on va le marquer effectivement, par exemple, comme ça. Ici. Voilà, le sol ici semble le point culminant un petit peu de la, on dirait mezzo forte peut-être, et ça retombe, voilà. Et après vous voyez la deuxième mesure de cette deuxième ligne, on a FP entre les, ça veut dire forte piano, forte piano, ça veut dire que le fa là-haut va être accentué, d'accord. Voilà pour les nuances. Donc c'est un mouvement lent, un mouvement donc un peu comme une balade évidemment. Et donc on va le jouer en tant que tel. Vous avez vu aussi que les pédales sont notées. Hein, la pédale sustain est notée en dessous de la clé de fa à chaque fois. Et vous remarquez bien sûr qu'on change de pédale, mais ça on l'avait déjà dit, à chaque fois que l'on va changer bien sûr d'harmonie. Hein. Par exemple ici une pédale. On change ici pour la deuxième blanche de la première mesure. Voilà. Voilà. À chaque fois que je change d'accord, d'harmonie, hein, que ce soit un accord en arpège ou un accord ici, en battement entre ces trois accords à deux sons ou trois intervalles harmoniques à deux sons, eh bien, on va changer évidemment de pédale pour éviter tout brouhaha possible. Voilà, donc on va maintenant, une fois qu'on a fait cette petite analyse, on va essayer de rejouer par exemple le premier thème. On se rend compte qu'il y a en fait deux phrases. La première fait ceci. Voilà, au milieu de la deuxième ligne, deuxième mesure, vous le voyez, au FP, au forte piano, eh bien voilà la deuxième phrase qui arrive. On a un petit peu le même profil que le premier thème là-haut qui faisait... Et donc dans cette deuxième ligne, deuxième mesure au milieu, donc deuxième, troisième temps, on a... Et un petit ornement de ce qu'on avait... Et à la fin, donc conclusion ici en fa majeur.
Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez intéressant. On peut s'occuper un petit peu des harmonies aussi. Au départ, on a fa la do, donc l'accord du premier degré en fa majeur, hein, fa la do. Première mesure, troisième temps, avec ce ré bémol qui est un petit peu dramatique, qui ne fait pas partie de fa majeur. Hein. On revient à fa majeur. Et avec ce mi bémol de la deuxième mesure, on passe en si bémol majeur. Ré, fa, si, ici, renversé. D'accord ? Et troisième mesure de la première ligne, on revient sur une dominante. Vous voyez ici, do, mi, sol, si bémol, mi, si bémol, do. On revient sur la dominante, ici, toute la mesure, troisième mesure, de fa majeur, deuxième ligne, fa majeur, premier degré. Si bécard, do. Alors, le si bécard, ça n'est pas une modulation. Effectivement, il annule le si bémol de la qu'on a en début de chaque portée ici. Mais c'est ce qu'on appelle en fait un quatrième degré altéré. Ce quatrième degré altéré, c'est quoi ? Ben, c'est le quatrième degré de fa, c'est-à-dire fa, sol, la, si bémol, altéré, c'est-à-dire augmenté, sur si bécard, qui va nous permettre d'approcher le do de la deuxième mesure, deuxième ligne, par demi-ton. Voilà. Ça s'appelle un emprunt à la dominante de la dominante. Pourquoi ? On fait un emprunt en fait à do majeur. Mais do majeur, lui, deuxième mesure, deuxième ligne, c'est à la fois effectivement donc la dominante, le cinquième degré à nouveau de fa majeur. Et puis on retrouve ce mi bémol pour la deuxième phrase ici. Deuxième ligne, deuxième mesure, troisième temps. On a au forte piano. Voilà, ça c'est une dominante, fa la do mi bémol. Dominante, ça veut dire cinquième degré. Ben, cinquième degré à nouveau de si bémol, puisque fa est le cinquième degré de si bémol. Donc on met à la fois une nouvelle modulation ici en si bémol. Le si bémol par rapport à fa, c'est le quatrième degré. On dit qu'on module à la sous-dominante, sous-dominante quatrième degré. Troisième mesure de la deuxième ligne, on arrive à si bémol majeur, renversé sur ré, ré fa si, hein, renversement, premier renversement de si ré fa. Voilà. Ah, voilà, la dernière, les deux derniers temps ici, vous avez un fa dièse hein, dans l'accompagnement. C'est quoi ce fa dièse ? Eh bien, ça nous indique qu'on irait vers une tonalité de sol, parce que fa dièse, ça peut être le septième degré de sol. Et effectivement, on va vers sol majeur et non pas vers sol mineur. Donc, troisième ligne, regardez. Si ré sol, c'est le renversement de sol si ré. Donc là, on a fait une modulation en sol majeur. Et puis, chose intéressante, on le voit souvent, dernier temps, et si vous le voyez de la troisième ligne, première mesure, on a un si ré sol dièse. Ce sol dièse ici, c'est un accord, ce qu'on appelle un accord altéré. Un accord altéré, c'est si ré sol normalement qui va sur do fa la qui est le quatrième degré de effectivement de fa majeur, enfin normalement de fa majeur, c'est-à-dire de do. Hein. Mais ici, si ré sol dièse, c'est un accord altéré. Normalement, nous aurions si ré sol. Sol dièse, donc ici, c'est augmenté, d'accord, si ré sol. Et on va sur do fa la, qu'on appelle une quarte sixte, une quarte sixte de cadence. C'est-à-dire, en fait, c'est un premier degré, fa la do. Mais renversé, deuxième renversement, la do fa, premier renversement, do fa la ici, donc avant-dernière mesure, deuxième renversement. Do fa la, c'est la quarte sixte de cadence, hein, une quarte sixte, do fa la quarte. Et do la une sixte, on appelle ça un accord de quarte sixte qui est sur do la dominante de fa, hein, c'est-à-dire le cinquième degré de fa, voilà. Donc ici, on a ça à la main droite. Avant d'arriver donc à la dominante do mi sol si bémol, ici do mi sol si bémol, le sol est là-haut hein, dans la mélodie en complément. C'est la dominante, c'est le cinquième degré de fa pour faire une cadence donc parfaite à la fin. En fa majeur. Donc vous voyez, dans ce petit extrait, c'est un thème quand même modulant. Modulant, ça veut dire simplement que, effectivement, la tonalité générale est en fa majeur.
Mais on voit qu'on va avoir des incursions dans d'autres tonalités. Ça s'appelle des tonalités, des modulations, donc dans le courant du morceau et de ce thème en particulier. Donc la tonalité générale, Fa majeur. D'accord ? Mais vous voyez, dès la deuxième mesure, on passe avec le Mi bémol en Si bémol majeur, qui est une tonalité dite voisine de Fa, parce que entre avec Si bémol, c'est Fa majeur. Et lorsqu'on a Si bémol plus Mi bémol, ça sera en Si bémol majeur. Et donc des tonalités voisines parce qu'il n'y a qu'une seule altération de différence. En Fa majeur, on n'a qu'un bémol, le Si bémol. Et en Si bémol majeur, on a les deux bémols, Si bémol et Mi bémol. D'accord ? Donc ce sont deux tonalités voisines. On module au quatrième degré Si bémol majeur. D'accord ? Voilà. Regardez la dernière mesure de la première ligne. Première ligne, dernière mesure. Et troisième temps, on a Do, Mi, Si bémol, mais dans la mélodie, on a un Sol dièse. Alors là, on ne module pas avec ce Sol dièse, c'est simplement la quinte altérée de Do 7, c'est-à-dire Do, Mi, Sol, Si bémol, ici. Et si je monte le Sol sur le Sol dièse, j'ai mon accord altéré, quinte augmentée même. Donc on a Do, Mi, Sol, Si bémol, donc dominante de Fa majeur, et Do, Mi, Sol, dièse, Si bémol ici, voilà, avec la quinte altérée, le Sol dièse, ce qui donne, pour revenir à Fa, deuxième ligne avec notre Si bécard ici qui prépare quatrième degré altéré de Fa, hein, Si bémol, Si bécard, qui nous amène sur la dominante de Fa, c'est-à-dire Do majeur. Voilà, donc on l'a vu, deux thèmes, hein. 1, 2, 3, 4 mesures et 2 temps pour la première phrase, hein, qui s'arrête sur le Sol ici, deuxième ligne, deuxième mesure. Et puis une deuxième phrase donc, qui commence sur le troisième temps donc, de cette deuxième mesure, deuxième ligne, pour la deuxième phrase. Donc deux phrases très très distinctes ici, mais qui se ressemblent, qui sont toutes les deux en Fa majeur, avec quelques modulations, on l'a vu ici, notamment en Si bémol majeur. Et puis on a fait aussi une, à la fin, hein, troisième ligne, vous le voyez, le Sol dièse de la troisième ligne, ici première mesure, on va ici pratiquement vers une... comme si nous allions vers un La mineur avec un Sol dièse. Mais on reste sur ensuite quarte et sixte ici de cadence, Do, Fa, La, hein, avant-dernière mesure, puis dominante, Do, Mi, Sol, Si bémol et Fa majeur. Cadence parfaite, c'est quoi une cadence parfaite? Ben regardez donc les deux dernières mesures, on va de Do, Mi, Si bémol, c'est-à-dire un accord de dominante, Do, Mi, Sol, Si bémol vers Fa, de Do à Fa. On a donc une cadence finale ici qui est une cadence parfaite, 5-1. En Fa majeur. D'accord ? Donc je vais ici le rejouer, puis je vais vous faire maintenant, si vous voulez, remarquer des petites choses au niveau de l'interprétation. Donc on part piano dolce comme ça. Alors, très important, c'est que, évidemment, lorsqu'on analyse une pièce classique et que vous commencez à la jouer, évidemment, il faut bien déterminer les différents plans. Ici, les plans sont très très simples. Hein. Vous le voyez, il y a à la main droite, hein, en clé de sol, donc le thème, une mélodie, donc la mélodie jouée par le violoncelle à l'origine. Et puis, à la main gauche, on a un accompagnement en battement, comme on l'a vu. Hein. Donc, il n'y a que deux plans. Alors dans ces deux plans, il faut toujours déterminer quel est le plus important. Ben, le plus important, c'est la main droite, c'est la mélodie. Donc on va essayer de faire ressortir un petit peu la mélodie par rapport évidemment à l'accompagnement qui va lui se trouver toujours un petit peu au second plan. C'est un premier type d'indépendance des mains, hein, parce que l'indépendance des mains au piano, elle n'est pas que rythmique, elle est, on le voit ici, au niveau des nuances aussi. Donc on va avoir ça un petit peu en retrait, à la main gauche. Et on va faire ressortir, c'est-à-dire appuyer un petit peu là, cette mélodie qui est très expressive. N'oubliez pas qu'on est ici avec Schumann en pleine époque romantique, 19e siècle, donc c'est très expressif. On va essayer de l'être le plus possible. Pour autant que ici je joue sur un piano, donc, électronique. Et ce piano numérique, eh ben, voilà, on ne peut pas avoir les mêmes sensations que sur un vrai piano acoustique, sur lequel on va mieux maîtriser évidemment toutes les nuances et ces petites nuances.
nuances qui font que la musique existe et qu'elle est importante et intéressante. Alors on va donc essayer de faire ressortir cette mélodie. Forte piano, j'insiste ici. Deuxième phrase. Pardon. Voilà, donc à part les petits bugs là du direct, c'est pas très grave. Alors ce que je voulais, par contre, ce qui est important, que je voulais vous faire remarquer, c'est aussi les différences de mouvement. Là, vous avez vu les différences de nuances. Piano, après ce petit crescendo qui va nous amener au mezzo forte, après le forte piano, etc. Mais ce qui est important aussi, ce sont les mouvements, le mouvement. La musique classique, et en particulier la musique expressive romantique, ça n'est pas absolument pas donc quelque chose de métronomique, bien sûr. Alors, il y a des différences de mouvement. Alors, comment on choisit qu'il y ait des ralentis ou des accélérés ? Ben, c'est par rapport à la musique elle-même, puisque sur la partition, vous le voyez ici, ça n'est pas noté. Donc, je vais commencer un peu régulier, comme ça. Ici, sur ce sol dièse, ici, vous avez vu, j'ai un petit ralenti parce que ça va préparer la deuxième ligne avec cette succession de croches. Et je fais un petit ralenti et je reprends le mouvement. J'accentue. Et là, je ralentis parce que c'est la fin. Voilà. Quand je dis ralenti, c'est une petite retenue, hein, simplement une petite retenue. Donc, vous voyez, il y a les nuances, il y a le phrasé qui est très lié. Hein, c'est un jeu qu'on dit legato, évidemment. Et puis, il y a ces mouvements qui peuvent, au cours d'un morceau, accélérer ou ralentir, ou revenir au tempo primo, hein, c'est-à-dire le tempo premier, etc. Voilà, tout ça, c'est ce que vous pouvez rajouter pour obtenir une certaine musicalité qui, je l'avoue, ici, sur un clavier numérique, c'est plus difficile, beaucoup plus difficile pour moi de le jouer comme ça, même si c'est une pièce très simple. Alors, lorsque vous déchiffrez une partition, hein, comme ceci, enfin, je veux dire, si vous lisez en tout cas la musique, eh bien, les deux premières choses que vous devez maîtriser pour pouvoir sortir ces notes, évidemment, ce sont les noms des notes, c'est-à-dire la lecture des notes dans les deux clés, hein, c'est-à-dire clé de fa pour la main gauche et en général clé de sol pour la main droite, et puis le rythme, bien sûr, puisque à ces notes-là, dans ces deux clés, sont attachés certains rythmes. Ici, ils sont très simples. Sauf que, vous voyez ici, dans la deuxième mesure, au début, on a ici, à la main gauche, on a... Jusqu'ici, ça va. Et puis là, on a un triolet. On a un triolet à la main droite, si doré, qui tombe contre du binaire. Hein. Triolet, c'est ternaire. Il y a trois notes, mais qu'on doit faire passer sur les deux de la main gauche. Fa si et si bémol basse. Donc c'est, vous voyez ici, on a si ensemble avec fa si, si bémol basse toute seule, enfin du moins do tout seul là-haut, excusez-moi, do, si bémol ensuite basse et ré de la main. Vous voyez où ça tombe, le si bémol il tombe de la main gauche ici, il tombe entre le do et le ré. Donc ça fait, et je continue, encore une fois. Voilà. Donc si je rejoue cette deuxième mesure, je l'enchaîne à la troisième, ça fait ceci avec ce petit triolet, donc d'insertion de ternaire dans une mesure qui est normalement à des temps binaires. Hein. Donc ça fait ceci. Deuxième mesure. Et ça repart. Voilà. Voilà. Et donc ce triolet ici de cette deuxième mesure, on va le retrouver deuxième ligne. Troisième mesure, vous le voyez ici sur le troisième temps. Alors, premier temps, on a ceci. Sol dièse.
Voilà le triolet. Le triolet auquel il manque la première croche, hein, avec un demi-soupir, hein, vous le voyez ici, donc sur le troisième temps de la troisième mesure, deuxième ligne, bien sûr. Et on a ceci. Voilà, deux triolets à la suite. Deux triolets à la suite. On a ici une indépendance à obtenir entre la main droite et la main gauche, mais cette fois-ci, cette indépendance est rythmique, évidemment, puisqu'on a dans les deux derniers temps de cette troisième mesure, deuxième ligne, on a deux triolets qui vont se superposer en bas à un rythme tout à fait binaire, Do, voilà, en boucle. Et donc, je vais essayer de placer ces triolets là-haut, et troisième ligne. Voilà, c'est tout pour la rythmique. Donc vous voyez, quand vous travaillez une pièce, ce qu'il faut, si vous voulez vraiment progresser, c'est essayer, évidemment, de travailler les points de difficulté. Ici, le point de difficulté, il est rythmique, hein, avec ces triolets. Donc arrêtez-vous sur ces mesures, travaillez-le, et surtout résolvez le problème, parce que si vous ne le résolvez pas, à chaque fois, vous repasserez dessus, et vous aurez toujours le même problème qui reviendra ad libitum, comme ça. Voilà. Donc tant que vous ne l'aurez pas résolu, ces problèmes, hein, attachez-vous donc aux détails difficiles, ceux qui vous posent problème, et c'est cette condition qui vous permettra, évidemment, d'arriver à progresser et progresser rapidement, voilà. Donc on va le rejouer pour faire, disons, une synthèse un petit peu de tout ce qu'on a dit ici, et ça donne ceci. Voilà pour ce thème, donc issu du concerto pour violoncelle et orchestre, donc de Schumann, opus 129, premier mouvement. Voilà. Donc je le répète, ce thème est un des thèmes donc issus du recueil donc piano classique facile avec CD. Pour ceux que ça intéresse, vous le retrouverez évidemment sur le shop. L'adresse donc c'est sur la barre de défilement que vous voyez en bas, shop.musicclassroom.com. Comme pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y a tout un tas donc de thèmes qui sont des réductions, encore une fois, pour piano facile, donc des grands thèmes de la musique classique qui proviennent donc soit de l'opéra ou bien des symphonies ou encore des concertos ou de la musique religieuse. Voilà, ce sont des réductions que j'ai fait moi-même d'ailleurs pour pouvoir le mettre à disposition des, disons, d'un niveau pianistique facile, voire intermédiaire parfois sur certains titres, vous le verrez. Voilà, donc maintenant je vais enlever la partition et on va essayer donc tout de suite donc de voir quelles sont évidemment vos questions déjà sur ce qu'on vient de voir aujourd'hui, et puis ensuite on parlera certainement donc d'autres sujets, si vous le voulez bien, hein, d'accord. Alors, j'espère que le chat fonctionne, donc j'attends vos questions. Je vais passer quand même sur YouTube ici pour savoir effectivement s'il y a d'autres questions. Donc, Directwood, merci Yves, je t'en prie, merci d'être là surtout. Et puis, je vais donc vous demander maintenant de poser d'autres questions donc sur ce qu'on vient de voir, sur cette partition, si vous le voulez. Je pourrais l'afficher à nouveau si cela vous... si c'est nécessaire en tout cas. Voilà, donc j'attends vos questions. Pas d'autres questions sur ce thème en tout cas? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises?
Je vais aller, oui, pourquoi nous dit Coltrane, ne dit-on pas tonuler au lieu de moduler? Et on pourrait effectivement, mais bon, c'est pas moi qui ai créé l'histoire de la musique ni de la théorie musicale. Donc je pense qu'on dit moduler pour changer simplement de ton. Mais attention, lorsqu'on module, on ne change pas forcément que de ton, Coltrane. On peut changer de mode aussi. Je donne un exemple, si tu modules de Do majeur en Fa majeur, d'accord? Effectivement, là on change de ton, mais on garde le mode majeur. Mais lorsque tu changes de Do majeur, tu modules vers Fa mineur, par exemple, là tu changes non seulement de ton, Do, Fa, mais tu changes également de mode, c'est-à-dire tu passes de mode majeur à un mode mineur. D'accord? Voilà pourquoi on dit moduler aussi, voilà, c'est ainsi. Direct Wood nous dit, quel est le mieux pour travailler mesure par mesure ou main séparée? Alors les deux, lorsque tu débutes le piano ou que tu as un niveau débutant voire intermédiaire, on commence les mains séparées bien entendu, parce que si ça ne fonctionne pas les mains séparées, il n'y a pas de raison que ça fonctionne les mains ensemble. Et puis la deuxième chose, tu peux travailler aussi, une fois que tu as les mains ensemble, mesure par mesure ou section par section. On n'est pas obligé de découper par mesure, hein, bien sûr. Le mieux, c'est de découper par phrase. Tu l'as vu ici dans la petite partition, il y a deux phrases. Hein. Donc je conseille peut-être de mémoriser la première phrase, de la jouer, ensuite passer à la seconde. Voilà. Gabriel, en faisant les croches de la main gauche en ternaire, oui, ça donne un autre esprit à la pièce. Oui, tel que le compositeur l'a voulu, hein, bien sûr. C'est simplement ici une indépendance, comme je l'ai dit, Gabriel. Il faut vraiment avoir une indépendance rythmique aussi, mais pas que rythmique, on l'a vu tout à l'heure, avec les nuances. C'est-à-dire que dès que tu as déterminé tes deux plans, hein, au niveau des tes trois plans, parce qu'il peut y avoir des pièces à trois ou quatre plans même, c'est-à-dire des plans superposés. Autrement dit, ici, on avait quelque chose de très simple. On avait la mélodie et en dessous, donc, l'accompagnement, simplement. Donc, on sait très bien que c'est la mélodie qui doit primer, qui doit être donc en avant, hein, d'accord ? Salut J-Cass ou J-Cass ou oui J-Cass Production, bonsoir. Tu produis quoi au fait? Tu pourrais nous en parler aussi, ça peut m'intéresser. Voilà donc, j'ai répondu à Gabriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette petite partition déjà? Si vous voulez, je peux la remettre à l'écran, mais je voudrais bien lire vos questions avant. Hein, d'accord? Donc j'attends vos questions. Sur cette partition, si Jean-Marie, la pédale est bien indiquée, je vais remettre ici la partition, elle est indiquée tout le long, effectivement, oui. On aurait pu, tu vois, par exemple, on aurait pu dans la dernière mesure ici, enfin pas dernière mesure, dernière ligne, première mesure, il y a, lorsque le sol dièse apparaît, oui, effectivement, on pourrait ici changer de pédale aussi. Voilà, il y a peut-être un oubli ici, c'est-à-dire que quand je joue ceci, ici, dernière ligne, donc troisième ligne, première mesure. Là, ici, effectivement, il manque peut-être une pédale ici. C'est peut-être à ça que tu faisais donc allusion, il me semble. Hein. Voilà. Ensuite, Yann Laz nous dit « Schumann et ses scènes d'enfants m'ont accompagné durant quelques années, mais j'avoue que lorsque je joue classique, je ne réfléchis pas comme en jazz. Est-ce une erreur ?» bien entendu, ce sont des univers différents, Yann. Peut-être que la musique classique est beaucoup plus rigoureuse dans le sens où elle est écrite et que finalement, les compositeurs ont voulu quelque chose de précis. Hein. Et donc, il faut suivre ça justement pour rester fidèle dans l'interprétation, en tout cas, aux compositeurs et à ce qu'ils ont écrit justement. Voilà. Comment faire, nous dit Dan Richard, comment faire cette succession de notes, s'il te plaît, les travaux des doigts? Ah oui, alors, là, je pense, Dan, que tu parles des doigtés, bien sûr. Que pour moi, il y a deux choses très importantes lorsque vous commencez à déchiffrer une partition. C'est d'une part l'indépendance des mains au piano. Ça, c'est une évidence, puisque nul autre instrument, je l'ai déjà dit, que le piano nécessite une telle justement, indépendance des mains qui joue vraiment des choses différentes. Hein. Et puis la deuxième chose importante, c'est effectivement Dan, les doigtés. Les doigtés, c'est-à-dire le numéro des doigts, d'accord? Alors, sur la partition ici que je remets
Il n'y a pas de doigté, d'accord, mais effectivement, on peut avoir les doigtés sur cette partition, ce qui permettrait évidemment de ne pas... Alors le doigté, c'est quelque chose de très flexible. Hein. Le doigté, c'est quelque chose qu'on peut mettre, qu'on peut changer. C'est un petit peu suivant le confort, hein, comment on se sent avec tel ou tel doigté. Parfois, les éditeurs donc l'indiquent, mais pas toujours. Alors lorsque ça n'est pas indiqué, on peut peut-être changer et mettre son propre doigté. Le doigté, ça permet donc de jouer hein, des phrases musicales sans s'interrompre, évidemment, parce qu'avec le bon doigté, voilà, on peut avoir un langage plus continu. Excuse-moi, mais je pensais sur certaines partitions, alors que comment doit-on procéder pour faire la pédale? Alors la pédale, comme je l'ai dit Jean-Marie au départ, la pédale, c'est à chaque fois que tu changes d'accord, hein, que ce soit des accords plaqués ou des accords en arpège, etc., tu dois changer de pédale, effectivement, pour ne pas que les sons se mélangent et qu'on obtienne un brouhaha, d'accord? Voilà, donc tu dois effectivement changer de pédale à chaque fois qu'on change de type d'accord, voilà. Et là, on l'a vu, si je remets la partition ici, on l'a vu, voilà, par exemple, entre le premier et le troisième temps, ici, de la première mesure, eh bien, évidemment, on a deux accords. Donc, tu le vois dessous, on a deux signes pédales, c'est-à-dire qu'on change de pédale ici. Et puis, ici, on peut dire, de façon générale, que le changement de pédale, il est à la blanche. Il est à la blanche parce que, à chaque fois qu'il y a, en général, je dis bien, à chaque fois qu'on a un changement d'accord, c'est souvent entre le premier et le troisième temps, par exemple. Voilà, ça peut varier effectivement, comme on le voit ici dans la deuxième ligne, première mesure, à la fin avec ce si bécard à la basse, hein, c'est-à-dire la main gauche. Ben là aussi, on doit changer parce qu'on n'est plus dans la même harmonie avec le si bécard. Hein, tu vois ici, d'accord. Autre question sur cette partition. J'attends vos questions. D'autres questions sur cette partition en particulier? Sinon, on va passer donc à des questions plus généralistes. Si vous le voulez bien, n'hésitez pas sur d'autres sujets ou si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas sur cette partition. Voilà, je vous écoute, n'hésitez pas. J'espère que le chat n'est pas bloqué. Je regarde hein, toujours un petit peu sur YouTube, Jean-Marie, voilà, effectivement, donc voilà, j'attends d'autres questions. Alors, d'ordre général, les questions qui vous taraudent, là, qui vous passent par l'esprit, ou les choses que vous n'avez pas compris, soit dans le piano, soit dans la théorie musicale, l'harmonie, enfin, tous les sujets qui vous intéressent, bien sûr. J'y répondrai avec plaisir. Question. Jean-Marie nous dit, est-ce que ça signifie qu'on utilise toujours la pédale ou bien peut-on jouer sans pédale pour des morceaux spécifiques? Tout à fait. Il y a des morceaux spécifiques. Par exemple, si tu prends l'accompagnement ragtime, ça n'a pas besoin de pédale. Si on met une pédale, ça serait plus, effectivement, plus dans l'esprit. Donc il y a des morceaux, ou même des passages dans un morceau qui nécessitent plus de pédale, parce que le son, par exemple, est piqué, détaché, etc. Donc là, on enlève la pédale, effectivement. Suivant le morceau, bien sûr, et suivant le passage musical à l'intérieur, bien sûr, d'un morceau. Direct Wood, mon message était trop long, il n'a pas été transmis. Essaie de le réduire, peut-être qu'effectivement, il y a une limite, je ne sais pas, par le système, ce système que j'utilise. Coltrane, j'ai lu que le mode lydien chez les Romains était un mode viril. Qu'en est-il des autres modes? Alors là, je ne sais pas du tout. Là, je l'avoue, je ne sais pas. Mode viril, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un petit peu comme lorsqu'on associe des couleurs à des modes. Hein. Chacun a le droit de voir du vert, du bleu ou une signification qui l'a envoyé. L'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est de connaître tes modes. Hein, de connaître tes modes, et si tu improvises en jazz, effectivement, cette connaissance est indispensable. Donc lydien, le voilà. Avec ce fa dièse. C'est exactement le mode majeur, ionien, mais avec un fa dièse. Voilà, ce triton, là, ici.
Alors viril, je ne sais pas. Je ne pourrais pas te répondre là-dessus, Coltrane. Direct Wood, 5 ans de piano, mais je galère pour lire assez fluide. Oui, et pourtant, tu vois, 5 ans, c'est quand même beaucoup. Je pense que dès le départ, tu aurais pu travailler, et ça n'est pas trop tard, bien sûr, la lecture de notes. Tu as une formation hein, sur le site, une formation lecture de notes dans les deux clés ici, hein, qui est utile parce qu'elle est progressive. Je te conseille hein, direct ou de faire ce type de formation pour une fois pour toutes, lire la musique et ça va vous faire gagner à tous d'ailleurs beaucoup beaucoup de temps hein, de pouvoir déchiffrer des partitions déjà au niveau des notes, hein, clé de sol, clé de fa, de façon régulière et plus fluide. Voilà, ça fait gagner du temps, ça vous permet évidemment de monter très vite des répertoires de piano classique parce que, évidemment, en déchiffrant, on a déjà l'immédiat pratiquement sous les doigts. Donc voilà, ça permet d'aller beaucoup plus vite que d'essayer d'apprendre par cœur. On l'a dit encore, lorsque la pièce fait 30 pages, c'est plutôt difficile, hein, difficile d'apprendre tout par cœur. Mais c'est possible. Direct Wood, pourtant, j'ai eu un prof, même deux, oui, d'accord. Et donc, à quel sujet tu nous dis ça, Direct Wood? Pourquoi tu nous dis j'ai eu un prof même deux? Ben c'est bien. Ah, tu veux dire au niveau de la progression, d'accord, 5 ans de progression. Ben écoute, je ne sais pas. Est-ce que ça vient du professeur? Est-ce que tu travailles régulièrement? Est-ce que je ne sais pas. Je ne connais pas la situation. Mais en tout cas, je sais que justement, en travaillant des détails précis, hein, je veux dire, sur les partitions et tout, c'est. On peut progresser assez vite en travaillant sa technique quotidienne, bien sûr. C'est quotidien, hein, le piano, c'est une mécanique, donc il faut s'entraîner quotidiennement, il n'y a rien à faire. Sinon, pas de résultat, quoi. Direct Wood, le déchiffrage est trop long, je suis fan de Bach, d'accord. Oui, effectivement, le déchiffrage est long si tu ne lis pas, évidemment, les partitions couramment. Ça peut être difficile, et surtout, pour le retenir Bach, c'est quand même du contrepoint complexe. Hein, donc voilà, moi je conseille d'apprendre... Vous savez, les notes et tout, c'est l'alphabet, hein, je veux dire, avant de faire des phrases, il faut connaître ses notes, etc., et déchiffrer, essayer de déchiffrer à vue, donc. Et le déchiffrage à vue, ça sous-entend que vous regardez la partition et que vous connaissez parfaitement votre clavier par cœur et les espaces sans regarder votre clavier. Donc ça aussi, ça se travaille. Guillaume, tu peux nous jouer un morceau de Rachmaninov? Ben non, je ne peux pas te jouer comme ça sur le morceau de Rachmaninov. Rachmaninov, c'est un des compositeurs les plus complexes hein, au niveau de la technique. Hein. On a des gens comme Rachmaninov, Liszt aussi, qui était un grand virtuose. Et il y a aussi Prokofiev, hein, des pièces extrêmement difficiles, parfois aussi Ravel, hein, compositeur français. Mais voilà, toute pièce, Guillaume, eh bien, toute pièce, ça se travaille. Voilà, on ne joue pas une chose sans l'avoir travaillée. Yéjoshua m'a délivré du péché, Matthios, Matthieu 3, 1, et disant, repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché. Oui, ben, avec la musique, on touche un petit peu de ce royaume-là dont tu parles. J'ai trop fait le high direct wood. Bon. Guillaume, je sais, je suis en train de faire le prélude en sol. D'accord, très bien. Belle pièce, j'espère. Je ne vois pas de quel prélude tu parles, mais en sol, de qui? De Rachmaninov, d'accord. Je ne le connais peut-être pas d'oreille comme ça, ou de mémoire. Martin Gravel, Rachma est de grandes mains. Oui, Liszt aussi avait de très grandes mains. Vous voyez que les... mais ça ne veut rien dire. Hein. Encore une fois, on a vérifié que... je veux dire, il y avait d'immenses pianistes qui avaient des toutes petites mains et puis des gros doigts, etc., mais qui jouaient magnifiquement. Donc ça ne veut encore rien dire. Ça doit certainement aider d'avoir des longs doigts et de grandes mains effilées, mais voilà, ça n'est pas que ça. Et il y a aussi des gens qui n'en ont pas et qui jouent formidablement bien. Coltrane, ce que je voulais dire, c'est que certains modes étaient, paraît-il, mieux adaptés au chant guerrier. C'est très possible, il faut relire des passages d'histoire là pour ça. En tout cas, dans l'histoire de la musique, non, on n'a jamais parlé effectivement de la signification un petit peu des modes dans la vie de tous les jours. La musique spirituelle, c'est merveilleux, bah aussi, mais la musique peut être spirituelle en elle-même, hein, tout dépend laquelle, bien sûr. D'autres questions aussi? Est-ce que vous avez d'autres questions plus généralistes sur la musique? Je dois vous quitter, nous dit Albert. Bah, salut Albert, à bientôt, j'espère à mardi prochain. Guillaume, celui-là, d'accord. Rappelez toujours les phrases. Hein. Celui-là, le prélude en sol, oui. C'est de qui? De Rachmaninov? Tu me dis celui-là.
Mais voilà, essaie d'en faire partager avec tout le monde. De quel prélude tu parles? Prélude en sol de qui? Voilà, de Rachmaninov ou d'un autre? Est-ce que vous avez d'autres questions maintenant, en général, sur la musique en général? Des questions, peu importe le style, hein, on va essayer de, je vais essayer d'y répondre. Jean-Gilles Gauthier nous dit « Théorie de la musique de Dana Hauser, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, il est vraiment très bien. » Oui, c'est un vieux de la vieille, hein, le Dana Hauser. Oui, c'est succinct en fait, et je veux dire par là, c'est très synthétisé, mais ça permet d'avoir effectivement les bases de la théorie musicale. Oui, c'est un bon conseil, effectivement, Dana Hauser, oui, ça permet d'avoir les grandes lignes en tout cas, et de comprendre un petit peu les principes de base, hein, d'accord. Donc je continue, est-ce que d'autres questions plus généralistes cette fois-ci? Qui ne concerne pas forcément la musique classique, mais le jazz, l'improvisation, l'harmonie, ou encore l'oreille, ou le solfège, la théorie musicale, enfin, toutes les questions que vous vous êtes posées auxquelles j'aimerais répondre ce soir, il n'y a aucun problème, donc si vous en avez, n'hésitez pas, j'attends. Le flamenco est en mode mineur et ce n'est pas triste du tout. Alors, Coltrane, il faut bien distinguer les deux langages. Lorsqu'on dit mode mineur, effectivement, on peut penser, si tu veux, à quelque chose d'un peu plus triste. Effectivement, quand on joue un Do majeur, ça sera toujours plus clair. Moi, je préfère parler de clarté que Do mineur, qui est un peu plus sombre. On dira un petit peu plus dramatique, ça dépend des cas, effectivement. Mais le mode flamenco, à mon avis, c'est pas un mode mineur, c'est plutôt un mode tout court. Parce que le mode flamenco, ça serait plutôt... Moi, je dirais que ça serait plutôt sur un mode phrygien, un mode de mi. Tu prends mi les touches blanches, et tu le transposes sur do, ça fait... Tu vois? Comme ça. Voilà. Même le mode locrien, mieux. Voilà le flamenco. Voilà, ça se... C'est très proche des modes de jazz, hein, que le jazz utilise, évidemment. Souvent on a Do majeur, Ré bémol majeur, tu vois, on fait... Voilà, ça c'est plutôt le mode flamenco, qui est plutôt un mode plutôt que une tonalité mineure, hein, ou une gamme mineure, hein, je pense, en tout cas. D'autres... Ah oui, Glody nous dit « Bonsoir Yves, dans la formation improvisation piano-jazz, où peut-on trouver l'accompagnement de standards de jazz ?» Alors, la formation improvisation jazz prend, si je me souviens bien, donc un exemple de standard, il me semble, hein, ou d'une mélodie en tout cas. Et de cette mélodie, on part au départ, d'après mon souvenir, on part de quelque chose de très simple et on va le faire évoluer, et puis vers l'improvisation, tout ce qui est patterns, tout ce qui est mode, les relations gamme-accord, etc., etc. Alors, l'accompagnement fait partie de cette formation. Après, il faut l'appliquer au standard de jazz, d'accord? C'est-à-dire que tu prends un standard et tu essaies effectivement d'appliquer ce que tu as appris théoriquement donc dans la formation, hein, d'accord? Mais il n'y a pas les standards de jazz, c'est l'accompagnement jazz en général. Mais bien sûr que ça touche tous les standards, puisque tu peux prendre n'importe quel standard et appliquer effectivement cette théorie, hein, Glody, d'accord? Voilà. Autre chose? D'autres questions? Thank you.
BSN, bonsoir. Tiens, un revenant, bonsoir. Si ce n'est pas déjà fait, pourrais-tu faire un tuto ou un live sur les tétracordes, deuxième tétra majeur ionien, deuxième... Oui, le tétracorde, mais c'est très simple dans la définition. Un tétracorde, c'est quatre sons, d'accord? Donc, dans une gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, tu as un premier tétracorde qui fait do, ré, mi, fa, quatre notes, et puis un deuxième tétracorde supérieur, sol, la, si, do, d'accord? Quatre sons également. C'est ça la définition du tétracorde, voilà. Après qu'il s'applique à des modes, à des gammes majeures, mineures, ou effectivement, il faudrait qu'il y ait quand même huit sons, hein, parce qu'il y a des modes où il n'y a pas huit sons, d'accord? Si tu prends la gamme blues... 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Donc là, on ne peut plus parler de tétracorde, évidemment. Tétracorde, c'est 4. Donc, s'il y en a 2, il faut 8, évidemment, 8 notes. Voilà, des modes ou des gammes à 8 sons. Glody, Yves, comment peut-on jouer un accord de façon mélodique pour éviter de plaquer des accords? Ça s'appelle des arpèges, Glody, simplement. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu de plaquer ça, tu le plaques en arpège. C'est-à-dire une note après l'autre. C'est ça un arpège finalement, c'est dérouler un accord, mais où les notes sont successives simplement. Yoshua, c'est juste pour vous dire que le Canada est en grève générale. Nous sommes 2 millions au Parlement d'Ottawa. Le convoi des camionneurs nous avait bloqué la ville également. Québec, ah oui, là-bas aussi des grèves. Eh bien, dis donc, on voit qu'il n'y en a pas qu'ici alors. Hein. Ben, merci pour l'info. Mais restons dans la musique, hein. Restons dans la musique, voilà. Donc on va essayer de continuer. Alors il nous reste à peu près 10 minutes, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. C'est le moment ou jamais, voilà. Gabriel Ferry nous dit « J'écoute en ce moment Bill Evans en lisant le Real Book. C'est un super exercice car chaque fois j'entends des notes que je n'avais pas entendues à la première écoute. » Alors Bill Evans, bien sûr, hein, des grands piliers du jazz, hein, notamment dans les années 50, 60, 70. Voilà, c'est quand même un immense musicien, c'est une des figures du jazz, celui qui a marqué en tout cas l'histoire du jazz, qui est très courte, hein, à peu près un siècle, hein, qui commence début du 20e jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, en lisant le Real Book, alors attention parce que ce que joue évidemment Bill Evans, ça n'est pas le thème aussi simplifié qu'il l'est sur le Real Book, mais par contre il existe des recueils de Bill Evans où là il y a de véritables relevés de tout ce qu'il joue réellement, hein, c'est-à-dire avec les deux mains, avec toutes les harmonies, la rythmique, ce sont de vrais relevés, et c'est une collection où il y a plusieurs volumes comme ça consacrés à Bill Evans, et effectivement où on peut jouer, où on peut lire en tout cas donc ce qu'il joue réellement sur les enregistrements qui s'y réfèrent. Et ça, c'est très très important au niveau de l'analyse, bien sûr, et au niveau du jeu. Mais parfois, c'est complexe, hein, parce que Bill Evans est très riche au niveau, évidemment, des harmonies. Hein. Glody, Yves, quelle est la meilleure gamme pour improviser? Toutes les gammes et tous les modes sont bons pour improviser. C'est pour ça qu'il faut tous les travailler, puisque lorsqu'on improvise, on les utilise, beaucoup d'entre eux, hein, en alternance. Donc, il faut les travailler. Et dans tous les tons, hein, Glody, tu t'en rappelles, on avait assez insisté là-dessus, c'est de travailler vraiment dans toutes les tonalités, hein, voilà, dans les 12 tonalités que comprend l'octave. Hein. Tu travailles une do majeur, il faut travailler ré bémol, et puis ré, et puis mi bémol, etc. Les 12 tonalités, hein, chromatiques, et on retrouve le do. Pourrais-tu un jour analyser un thème de Michel Legrand? Oui, bien sûr, les Moulins de mon cœur, par exemple, puisqu'on en parlait beaucoup de ce thème, hein, qui procède que par des marches harmoniques du début à la fin. Voilà, on peut l'analyser harmoniquement et mélodiquement. Mais comme ce sont des marches, c'est-à-dire des séquences qui se reproduisent à différentes hauteurs, avec des modulations comme ça, eh bien oui, c'est intéressant, bien sûr. Oui, oui, tout à fait, ça serait une bonne chose. C'est une bonne idée en tout cas, merci de me l'avoir suggéré là en tout cas. BSN 85 nous dit « On apprend les modes issus de la gamme majeure, doit-on aussi apprendre ceux issus des trois gammes mineures de la gamme majeure harmonique ?» Alors, deux choses, la gamme majeure, il n'y en a qu'une, enfin dans tous les tons, mais il n'y en a qu'une avec... Voilà, ton, ton, demi-ton, ton, ton...
tons et demi-tons. Donc 5 tons de demi-tons, c'est la définition de la gamme majeure. Il n'y en a qu'une, hein, et tu la transposes dans toutes les tonalités ensuite, bien sûr. Par contre, quand tu parles des trois gammes mineures, je le rappelle parce que je pense qu'on en avait parlé pas mal dans les lives aussi, il y a effectivement trois modes mineurs, disons, principaux. Si je prends sur Do, il y a le mode mineur donc qu'on appelle harmonique, c'est celui-ci. Je vais plus lentement pour que vous voyez bien une note, d'accord ? Le mode mineur mélodique. Et le mode mineur donc naturel, qu'on appelle le aéolien, le mode de La. Voilà, une note près, et ces trois modes se ressemblent énormément, bien sûr, d'accord ? Par contre, majeur harmonique, ça n'existe pas, hein. C'est mineur harmonique, hein. Il n'y a pas de majeur harmonique, voilà, qu'une gamme majeure. Rivaldo Laguerre, bonsoir. Oui, est-ce le style jazz à sa gamme ? Est-ce que le style jazz à sa gamme, ou bien ce sont les gammes diatoniques avec des rythmes différents ? Alors, tu parles de quoi ? De gamme ou de rythme ? S'il s'agit de gamme, non, le style jazz a toutes les gammes classiques, mais tous les modes aussi qui viennent d'ailleurs. Les modes anciens du Moyen-Âge, ce qu'on appelle la musique modale, bien sûr, mais aussi les modes extra-occidentaux, c'est-à-dire les modes qui viennent d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Inde, etc. Donc le jazz utilise tout, il utilise tout ça dans ses improvisations, il pique un peu partout, tu vois, voilà. Après les rythmes, je ne sais pas de quoi tu parles en parlant de rythme ou de rime diatonique avec des rythmes divers. Là, je ne comprends pas la question. Si tu peux me la reposer, Rivaldo, essayez de l'éclaircir un petit peu. BSN, je parlais des modes grecs associés. D'accord, oui, les modes grecs associés, oui, on apprend les modes issus de la gamme majeure, doit-on apprendre ceux issus des trois... Oui, on doit apprendre tous les modes, voilà. Tous les modes, c'est très simple, toutes les modes et toutes les gammes, surtout en improvisation, bien sûr. Snyton, bonsoir. Tu n'as pas cité le mineur naturel. Le mineur naturel, c'est le mode aéolien, je l'ai cité. Voilà, sur Do. C'est le mode aéolien de La naturel qui passe sur Do. Voilà, avec même l'ordre des tons et des demi-tons. Martin, Coltrane Blues, il y a tellement de thèmes de Michel Legrand. Oui, effectivement, tous plus magnifiques que les uns. C'est vrai que c'était un grand compositeur et surtout un grand mélodiste. Hein. Et c'est pour ça, d'où son succès, évidemment, dans différents domaines, comme le jazz, mais aussi dans la musique de film, bien sûr. Et encore une fois, bien sûr, comme c'est un grand mélodiste, vous le savez maintenant que la mélodie, c'est le plus important, c'est ce que retiennent les gens. Un tube, c'est une mélodie, hein. C'est tout. S'il n'y a pas de mélodie, il n'y a pas de tube, simplement. Donc, d'où, lorsqu'on compose la musique, porter une attention particulière au thème, à la mélodie. Hein. Le reste, voilà. Vous pouvez avoir... un magnifique thème, hein, ça marchera toujours. Mais si le thème n'est pas très bon, même si vous avez des super arrangements derrière, etc., ben non, ça ne fonctionnera pas. Glody, Yves, si vous pouvez nous faire un live sur l'accompagnement gospel, en particulier l'harmonie gospel. Oui, on pourrait faire un live sur le gospel, mais tu sais qu'il y a déjà des tutos, hein, sur la chaîne sur le gospel, il y en a 3 ou 4. Donc je conseille quand même de les regarder parce qu'on explique, enfin j'essaie d'expliquer en tout cas l'harmonie gospel, etc., le style gospel, voilà. Mais pourquoi pas ? BSN, j'ai vu le mode majeur harmonique et ionien avec 6 comme ça. Non, ça c'est le mode mixolydien. Avec 6 bémol, 6e degré. Ah, tu veux dire le 6e degré, la 6e bémol, comme ça ? Ça. Alors là, c'est ce qu'on appelle BSN, c'est ce qu'on appelle des modes mixtes. Pourquoi ? Parce qu'ils mélangent deux modes. Hein. Mais ça s'appelle pas majeur harmonique. On mélange ici le mode majeur, effectivement. Et puis ici, on va passer par la bémol, donc le dernier tétracorde avec cette couleur un peu orientale, qui est en fait ici, effectivement, la fin du mode mineur, hein, harmonique. Voilà. Donc c'est pas majeur harmonique, mais c'est un mode, ce qu'on appelle un mode mixte qui mélange effectivement ces deux modes, majeur et donc mineur harmonique. Oui, c'est un mode mixte. D'accord, là je comprends mieux ce que tu voulais dire. Gabriel, bonsoir, merci et bonne soirée. À bientôt Gabriel, à mardi prochain, bonne soirée et à bientôt. Yves, bonne soirée,
également. On va peut-être arrêter là, il est 20h. Merci d'avoir été là ce soir. J'espère que je vous reverrai donc la semaine prochaine. J'annoncerai toujours donc le nouveau live quelques jours avant sous l'onglet communauté que vous pouvez consulter sur la chaîne Music Classroom. Et ce live-là qu'on vient de faire ensemble donc sera disponible, je pense, dès ce soir tard ou demain matin. Vous pourrez le consulter, en tout cas pour ceux qui sont arrivés en retard ou ceux qui l'ont loupé, donc avec plaisir vous pourrez le retrouver donc sous l'onglet playlist dans la playlist Music Classroom Live, ainsi que les 72 ou 75 autres lives d'une heure qui traitent de tous ces sujets différents. Donc Sandrine, bonsoir, Mohamed, salut également, Martin, j'espère vous revoir, mettez tout ça à profit. Et j'espère que cela vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de faire de mettre un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et puis de partager, bien sûr, cette chaîne qui est faite pour vous, hein, pour votre enseignement musical, enseignement, bien sûr, gratuit sur la chaîne Music Classroom, en tout cas. Voilà, bonne soirée et à très, très bientôt, donc à mardi prochain, toujours 19h, donc heure de Paris, bien entendu. À bientôt.